Alors j'ai découvert Extra par le biais du Républicain Lorrain qui avait donc un article pour recruter pour la nouvelle promotion. Je vais au lycée franco-allemand, donc je sais un peu parler français, mais ça fait plus peur que parler avec des Allemands. Mais là, avec les autres, ça pose pas de problème. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure parce que je trouvais que c'était un enrichissement linguistique. Ça me permet d'aborder des sujets que je n'aborderais pas forcément dans la vie de toujours. J'ai été très bien accueilli et c'est vraiment un enrichissement d'être ici donc, pour le journal, pour la rédaction de tous les articles donc, qui vont paraître pour Extra. On a Hélène qui nous aide beaucoup avec des articles, elle nous donne des conseils, elle lit notre texte et ça va, pour moi ça pose pas de problème. C'est un peu difficile de finir les textes pour la date, mais j'essaie. On est très bien entouré ici. Madame Maillasson est très gentille avec nous, elle nous suit, si on peut dire ça. Nos collègues, ils sont super sympathiques. Je suis vraiment impressionné par l'organisation aussi. Et tout se passe très très bien. Je vais parler du foot en Lorraine, donc le FCMS et la SNL. On va parler du mercato, donc les arrivées et les départs. On va parler aussi de termes un peu plus techniques, comme d'où vient l'argent, parce que les gens ne font peut-être pas attention à ça. Et aussi le nombre de joueurs, parce qu'il y a forcément un nombre de joueurs limite. Je vais faire un article sur ce que les savoirs, les Français de cette région de Alsace et Lorraine et les Américains pensent de l'élection en Amérique. On va aussi traiter des thèmes plus communs comme Halloween. On va parler éventuellement de jeux vidéo, de foot, comme nouveau FIFA qui va sortir. Et je pense que ce sera un numéro vraiment très intéressant.